Et oui, c'est encore moi. Coucou, recoucou, courloucoucou et recourloucoucou. Ça faisait extrêmement longtemps que je vous avais pas fait le plan du recourloucoucou. C'est quand même extrêmement rare. Mais là, j'ai très chaud. Je suis au sauna là et je profite du sauna pour perdre les kilos que j'ai pris avec tous vos chocolats, vos machins, vos trucs. Alors, on va se faire une dernière petite vidéo, hein. Vous regarderez peut-être demain ou après-demain ou ce week-end. Je ne sais pas si demain j'en ferai des vidéos, j'en sais rien, mais comme j'en ai fait beaucoup aujourd'hui, il faut quand même que je travaille de temps en temps. Demain, je ne sais pas s'il y en aura, s'il y en aura. S'il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, hein, je vais très bien, hein, je vais très bien, je travaille juste. Et là, aujourd'hui, j'en ai profité, j'avais vraiment envie de beaucoup, beaucoup scraper, puis vraiment de partager plein de choses avec vous. Donc c'est vrai que j'ai profité de mon après-midi, là, je suis restée ici, parce que de toute façon, dehors, il fait extrêmement chaud. À l'intérieur, il fait extrêmement chaud aussi, donc voilà quoi. Autant scraper, de toute façon. Voilà. Et éliminer. Je brille de partout, je suis aussi. Alors donc, du coup, j'avais envie de partager avec vous une espèce, enfin un petit moment détente encore, comme ma page d'art journal. J'ai rangé. J'avais envie de partager un petit moment détente comme ça, mais en même temps, une petite astuce, enfin. Faire une petite pochette comme ça, vous savez qu'une feuille coin-coin, pour faire une pochette, une enveloppe sans colle, sans rien, vous savez, en origami quoi. Hein. C'est tout simple et tout ça, puis comme ça va me permettre de faire un envoi d'ATC hein, pour quelqu'un, pour certains d'entre vous. Je vais faire avec vous donc ça, c'est pareil, c'est un petit moment de détente pour moi, et puis en même temps, ça fait un petit tuto, voilà, un mini tuto. Alors, on va pas y passer la vie, c'est pour me servir de ce que vous m'offrez, vous savez, de ce que vous m'envoyez. Parce que ce que vous m'envoyez, je suppose que c'est entre autres pour vous donner des idées, peut-être, hein, avec ce que vous possédez, vous. Donc ça vous donnera peut-être des idées, hein, pour utiliser ce que vous avez. Et puis voilà quoi. Puis ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, j'espère. Et puis voilà, moi j'adore partager ce que je suis, ce que je peux faire, en tout cas, hein, avec ce que vous m'envoyez, parce que j'utilise vraiment, bon, j'aurais pas assez de ma vie, je pense, pour utiliser tout ce que vous m'envoyez, mais bon, je fais ce que je peux. Je suis au taquet, au taquet, au taquet. Alors, donc, parce que je fais des petites préparations comme ça, entre autres, entre-temps et tout ça, le soir, pour me détendre, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, on a fait la carte, alors, je reviens toujours dessus, c'est parce que j'aime bien revenir sur les choses que j'adore. Pouf 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 pouf. Donc c'est toujours cette carte-là, cette fameuse carte que j'adore, hein, vraiment. Bon, j'adore ce style-là, moi, faut dire. J'aime tout, hein, mais le vintage, le machin, les patouilles et tout ça, j'adore, j'adore, j'adore. Et alors on a fait ça ensemble. Et puis donc il me restait une chute que j'ai donc utilisée dans ma page d'art journal. C'est pour vous dire que, vous voyez, quand on fait quelque chose, tout s'enchaîne. On peut faire avec ce qui reste autre chose et encore autre chose, encore autre chose. Comme pour l'histoire des CD. On a pris la boîte, après on a pris le CD, après on a pris machin. Vous voyez, et ben là c'est pareil. On a fait une patouille, on a fait un coloriage, on a fait un coloriage. Donc après on a fait une carte, et ensuite on a fait, je sais plus ce qu'on a fait, je sais plus. Et puis là donc il nous reste des feuilles, et avec les feuilles on va faire encore autre chose, etc., etc. Ah oui, les chutes, j'ai fait une page d'art journal, je disais, et après on peut encore faire d'autres choses. Hein, voilà, c'est pour voilà. Quand vous avez fait quelque chose, ben vous pouvez le décliner dans plein d'autres trucs. C'est clair, ça? Alors, donc, c'est parti. Donc, je vais utiliser ce que vous m'avez envoyé. Donc, je vais utiliser mes fameuses pages, là. Hein, mes fameuses pages, là, A4. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire là, c'est vraiment simple. Il y en a pour 5 minutes. Hein, c'est parce que moi, je parle beaucoup. Mais en fait, il y en a pour même pas 5 minutes. Vraiment. Il vous faudra une page coin-coin, la page coin-coin de vos rêves. Moi, je vais utiliser ça, ces feuilles-là, parce que, en fait. C'est pour offrir des choses. Et je vais faire une pochette pour y mettre des ATC que la personne, elle pourra récupérer. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je m'amuse à faire des pliages comme ça, vous savez. Bon, voilà. Hein, voilà. Mais, voilà. Alors, je vais me servir. Vous m'avez envoyé des seaux comme ça avec des abeilles. Et je trouvais que ça tombait vraiment pile poil. C'était dans les couleurs. C'était le thème, etc. Je me suis dit, bah, c'est le moment de m'en servir de ces cadeaux. J'en ai offert à je sais plus qui, parce qu'elle m'en avait fait plein. J'en ai offert à je sais pas qui. Et j'en ai évidemment gardé pour moi. Il faut savoir que quand je vous envoie des choses, si j'envoie des choses, ça veut dire que moi aussi, j'ai quand même gardé des choses. Je partage. Simplement, je partage. Je garde toujours une part pour moi, pour pouvoir faire des tutos. Voilà. Donc, j'en ai gardé. Et donc, je vais faire un tuto avec ça. Hein, parce que les seaux de cire, c'est fait pour.
entre autres, mettre, bah, on fait ce qu'on veut hein, pour décorer ce qu'on veut, hein, mais aussi pour du coup décorer une enveloppe. Et là, on va faire une enveloppe, et du coup, je ferai deux ATC pour mettre dans cette enveloppe. Voilà. Avec cette patouille qu'on m'a offerte, hein, c'est pareil, que je trouve géniale et qui est vraiment, vraiment, vraiment adaptée à tout aller ensemble. Donc, je me suis dit, c'est le moment, allez hop, on y va, on y va, on y va. Donc, pour ce faire, je vais déjà faire ma pochette. Alors, pour faire ma pochette, que tout le monde peut faire sans colle, sans machin, sans... vous allez prendre la feuille coin-coin de vos rêves. Hein. Et alors, je vais essayer de faire simple. On peut les voir sur Pinterest, ces tutos-là. Hein. Mais sur Pinterest, ouais, et sur TikTok, là, mais ils vont extrêmement vite, les gens. Alors, pour arriver à suivre, bah, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on voit pas tous les détails. Donc, prenez votre feuille coin-coin, vous la prenez dans la hauteur, comme ceci. Vous allez marquer, faire une marque. Alors, vous mettez le côté décor, hein, le côté décor, comment dire, face que vous ne voyez pas. Hein. C'est ce qu'on verra à la fin, en réalité. Hein. Voilà. Alors, tiens, je vais le tourner comme ça, je vais changer de... Je vais changer de... Je vais changer. Allez. Donc, je prends ma feuille comme ça. Hein. Donc, ça, c'est l'envers. C'est l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Je vais donc faire des... Prendre ma page comme ça. Et dans la hauteur, j'essaie de ne pas être trop chiante dans mon explication, mais c'est pas... Hein, ça paraît facile, mais... Et donc là, on va se faire une marque comme ça, juste une petite marque de rien du tout. Hein. À 6, vous faites un petit point en haut. À 6, vous faites un petit point en bas. Pourquoi? C'est juste un petit point. C'est juste pour... Vous prenez votre règle et là, vous allez marquer le pli. Hop. Ah, ça, attendez. Du point à point, vous marquez votre pli, tout simplement. Hop. Ça, c'est pas dur de faire ça. Marquer un pli à 6 cm et donc, vous pliez. Voilà. Là, vous avez un pli à 6 cm. Ok. Maintenant, cette partie-là, on va la rabattre sur la partie de 6 cm. Pour ce faire, vous allez prendre la pointe en bas à droite et vous allez la remonter pour que la pointe elle arrive à ras du bord là et que, c'est ça le plus important, que là, ici, que ici, ça arrive à ras la bande de 6. Là, c'est à ras et là, c'est à ras. Vous vous occupez pas de ce que ça fait comme forme, on s'en fiche. Ça fait une forme un peu bizarre, comme si on allait faire un avion, hein. C'est ça. Voilà. Donc là, vous avez pris votre coin en bas à droite et vous l'avez relevé pour que la pointe touche le ras de la ligne là et que là, ça soit rabattu juste à ras des 6 cm. Faut pas que ça soit grimpé dessus ou machin, faut juste que ce soit à ras. On n'est pas, attention, hein, c'est pas, on n'est pas en train de faire de vous voyez, hein, bon, ça et ça. Ok, j'espère que c'est clair. C'est pas très difficile, enfin, pas très difficile. Vous prenez le coin, vous le remettez, il touche le coin là, il touche à ras là, et vous marquez le pli bizarre comme ça. Et là, vous avez une partie qui est droite là. Vous voyez, là, c'est tout de travers, mais là, il y a une petite partie qui est droite ici là. Eh bien, cette partie qui est droite, vous allez l'aligner à ce bord-là. Vous vous occupez que de ça. Vous voulez que ça, ce soit aligné là. À ras. Alors, attendez. Voilà. Vous faites ça. Voilà. Je vous dis, hein, on va faire un avion. Un avion. Hein. Et là, vous pliez. Et donc, vous avez ça. On est d'accord, hein? Vous avez ça. Hop. Vous avez ça. On a fait ça. Et là, on a rabattu là. Et on a fait ça. Voilà. C'est tout. Quand on a notre joli pliage, là, magnifique pliage, c'est ça. On retourne, pouf, on lui retourne la tête. Et alors, on va rabattre le bas vers le haut d'environ 7 cm. Alors, parce qu'on peut le faire à l'œil comme ça. C'est-à-dire, on peut le faire à l'œil comme ça. Vous pouvez le faire au pif, hein, au pif, hein. Il faut que là, ça fasse une pochette, vous voyez? Vous pouvez faire un peu au pif. Hein. Je crois, vous faites ce que vous voulez en fait. On fait ce qu'on veut, on s'en fout. Il faut que là, ça fasse un joli croisé, là. Hein? Donc, bon, pour que ça fasse un joli croisé, ben, vous faites ce que vous voulez. J'en sais rien. Moi, je l'ai relevé de combien, là? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, 7, 8. Bon, allez, à 7, c'est peut-être mieux. Allez, je vais faire à 7. Et voilà. C'est vous qui voyez, ça. Hein? À 7, ça suffira. Disons que la pointe là, que la pointe elle soit vraiment à ras là, mais c'est vous qui, hein,
plus moins vous plierez là, moins vous plierez ici, et plus vous aurez un joli croisé ici, tout simplement. Voilà. Et puis le haut, ben tout simplement, il va nous servir à insérer le bas. Parce que vous voyez, hop, vous ouvrez là et vous allez mettre ça là-dedans, tout simplement. Voilà. Et c'est pareil, c'est vous qui décidez un peu la grandeur, sachant qu'on n'a pas une marge extraordinaire, hein, vous voyez, on n'a pas. Il suffit que ça rentre là-dedans, et puis c'est vous qui décidez de la mesure. Voilà, là, ça, moi je disais que c'était bien, par exemple. Voilà. Et ça fait une enveloppe comme ça. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est tout ça pour ça. Hein. J'espère que c'est clair. Ouais, c'est clair. Vous dites c'est clair, hein, ça me fera plaisir. Et là, moi, je vais décorer donc avec un sceau. Là, ici, ma jolie enveloppe. Je vais mettre un sceau ici. Je vais mettre un petit bout de double face. Je vais mettre ça, double face 3D. Pour que la personne elle puisse récupérer le sceau au cas où. Et ce qui est intéressant dans ce pliage, qui est sans colle, sans rien du tout, c'est que la personne qui reçoit, elle peut tout défaire et récupérer. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez? Ah zut, je fais tout tomber. Alors, il fait tellement chaud, mais tellement chaud. Ce qui est intéressant, donc là, moi, je vais mettre avec une petite pastille de double face, juste comme ça, la personne, si elle veut le récupérer, elle le récupère. Hein? Ce qui est intéressant dans ces pliages-là, je vais mettre mon petit abeille comme ceci, là, dans les fleurs, c'est trop beau, voilà. Bon, voilà, c'est simple, hein. C'est que la personne, elle peut récupérer quand elle reçoit. On va faire deux, je vais faire deux ATC dans le thème des abeilles, je vais les mettre là, hein. Et alors, quand la personne, elle reçoit, elle prend ses ATC, elle défait ça, elle défait ça, elle défait ça, et elle peut tout récupérer et scraper, elle prend son petit machin, là, hein. Hop là. Pastille, hein, hop, voilà, hein. Vous mettez pas une pastille qui colle trop, hein, sinon vous mettez de la pâte à fixe. Et puis voilà, comme ça la personne elle récupère tout. Et après elle peut s'en servir, faire des découpes, des tags, des ATC justement. Elle fait bien ce qu'elle veut avec. Donc voilà, hein, voilà, vous faites ça, hein. Voilà, hein. C'est hyper facile, hyper rapide. Là, hein. Là pour 3 secondes. Hein. C'est génial. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Ça, j'adore, j'adore, j'adore le fait que la personne, elle puisse récupérer les choses et en faire ce qu'elle a envie. Voilà. Voilà. Hop, comme ça. Je sais pas trop, en fait, là. Ouais, comme ça. C'est bien. Allez, hop. Zou et zou. Voilà. Et là, je vais faire. C'est mignon, hein. Si, c'est joli. Maintenant, je vais faire 2 ATC avec ça, vraiment rapidement. Enfin, rapidement. Je vais faire tout simple, hein, histoire qu'on fasse ça ensemble. Jamais je fais des ATC avec vous. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. Mais là, je vais me servir de vos choses. Je sais plus qui m'a offert ça, qui m'a offert ça, qui m'a offert ça. Je sens, elle va faire des bons. Je sais qu'elle fait des bons à chaque fois que je dis je sais pas. Donc, 8-9, 8-9, 8-9, 8-9. Et moi, je vais récupérer ça, cette partie-là qui me plaît beaucoup avec les nids d'abeilles, là. Alors, je vais retirer un petit bout là de rien du tout. Hop. Hop. Donc, 8-9 sur 6-4 à l'ATC. Hein. Pour celles qui ne sauraient pas, il y a peut-être aussi des gens qui ne savent encore pas. Hein. C'est pas grave. Hein. Et donc là, 2 fois 6-4. Une fois. Une fois 6, 4, ça va être très joli. Et 2 fois 6, 4. Hop là. Non, je fais n'importe quoi, mais j'allais faire 6, 9. C'est ça. Et donc là, je vais avoir mes 2 ATC qui se mettront là-dedans. Voilà, là, c'est très joli. Hein, c'est très, très joli. Vous dites c'est beau, ça me fera plaisir. Donc voilà. Hein, et là, bon, alors, je vais faire quelque chose d'hyper simple. Hein, je vous le dis tout de suite. Déjà, je vais tout de suite tamponner le dos. Alors avec, je ne sais pas lesquels, je sais pas, j'aime bien celui-là, on va dire tiens celui-là. Celui-là, tiens. Voilà, j'ai ma plaque là. Je vais déjà commencer par faire mes tampons tout de suite. Parce que après, si on met des embellissements, des machins, des trucs, ben on peut plus. Ou alors, il faut le tamponner ça sur une petite feuille à part et puis coller la petite feuille sur la carte. Voilà. C'est au cas où vous avez oublié de faire le tampon avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. De toute façon, ça paraît évident, mais bon, peut-être il y a des gens qui pensent pas. Hein, je ne sais rien, moi je sais pas. Hein, parce que moi, j'ai pas, j'ai souvent fait des bêtises. Hein, oh là, oh là là. Je fais mon ATC, puis après il y a des épaisseurs, des machins en 3D, puis après pour tamponner ma machin, j'ai oublié. Et puis voilà. Donc
Donc je le fais sur une feuille à part et je les colle après. Voilà. Il y a toujours, toujours, de toute façon en scrap, il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Je vous dis, c'est pour ça que c'est un plaisir et que c'est vraiment un loisir qui met tout le temps en valeur les gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi que vous fassiez, vous serez mis en valeur parce que il y a toujours une possibilité, il y a toujours. Et puis, ce que vous n'aimez pas, quelqu'un d'autre va l'aimer. C'est bizarre, vous savez, les goûts, les couleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est génial. Donc là, voilà, j'ai tamponné et je vais remplir. Je vais tout de suite mettre ce que c'est. Ouais, je vais tout de suite mettre. Ah, j'ai oublié de dater ma. Oh, je vais oublier sinon. Attendez, je suis désolée, hein, c'est parce que là, je pense à un truc qui n'a strictement rien à voir. C'est parce que j'ai oublié de dater mon art journal et ça, je le date. On est le combien aujourd'hui, les amis? On est le combien? On est le 8, hein, comme si je ne savais pas en plus. Alors, je vais mettre là ma date. 8-06-2023. J'avais oublié. Je date toujours mes pages d'or. Elle est trop belle, je l'aime tellement. Je l'aime tellement. On peut faire tellement de choses, tellement de choses, tellement différentes. Tellement. Tellement s'éclater, tellement s'éclater. Alors, donc ça c'est bien. Alors, je reviens là-dessus. Alors, le titre, je vais mettre l'abeille. Ouais, je sais, c'est nul. Non, je vais mettre. nul. Je vais mettre Be Happy, et puis c'est tout. Hein. Be happy. L'artiste, bah c'est moi. Hein. Bah si. Je sais pas, c'est pas moi. La patouille, elle est même pas de moi, rien du tout, mais c'est pas grave. Hein, vous reconnaîtrez. Hein, vous reconnaîtrez. Puis j'espère que ça vous fait plaisir. Hein. Donc là, ça sera le 1 sur 2. Toujours mettre le numéro. Enfin, là, il y en a deux. Il y en a deux. Ça sera le 1 sur 2. Ça sera le 2 sur 2. Si vous en faites 10, ça sera le 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Vous avez compris? Ça, c'est pareil. Je le dis. C'est juste pour les nouvelles qui passeraient comme ça. Et à quoi ça sert un ATC? Ça sert à rien. Ça sert juste à défouler et à collectionner. Non, à collectionner. À collectionner des petites cartes comme ça de différents artistes. Ben, pour échanger vos talents, vos trucs, est-ce que vous aimez. 2 sur 2. Hop, voilà. Wally, hop, donc, c'est bien. Je vais tout de suite. Je vais faire du vintage, moi. Je vais ancrer. Les bords en vintage immédiatement, tout de suite. Parce que c'est pareil, ce genre de truc, je sais pas pourquoi, j'oublie. Ouais, j'oublie. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Je vais ancrer mes bords en vintage. J'aime bien faire aussi les deux côtés, enfin parfois toujours. Enfin, des fois j'oublie, mais j'aime bien faire les deux côtés, moi. Voilà. Voilà. Chacun ses goûts. Hop. Hop là, viens ici toi. Donc on va faire ça. Je fais vraiment quelque chose de très rapide, très simple, sans. Là, je fais rien d'extraordinaire, je vous dis tout de suite. Hein. Strictement rien d'extraordinaire, mais bon, je vais faire ça quand même. Ensuite, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tamponner. Alors j'avais envie de les détourer, mais bon. Ça me prend plus de temps si je fais ça, mais bon. On peut, hein. Je vais. Est-ce que j'ai un restant de patouille là? Non, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Là, c'est pas grave. Donc, je vais prendre ma petite abeille là. Hop là! Je vais la faire sur un. J'ai pas assez. Zut. Ah, j'en ai peut-être. Ah ouais, mais non, là, elles étaient prêtes. C'est parce qu'en fait, j'ai un petit doute sur ce que je voulais. Enfin, pas. J'ai pas un doute sur ce que je veux faire. Pas du tout. C'est juste que je voulais peut-être. Je voulais peut-être, peut-être, peut-être. Les mettre en 3D. Je prends une espèce de chute là. C'est pareil. Je vais en faire deux. Ah non, raté. Alors, pour faire, ce que j'aime bien parce que je fais trop vite, vous vous mettez sur un tapis, hein, un tapis. Regardez, elles sont superbes. Je vais en faire plusieurs là. Elles sont trop belles, elles sont trop beaux ces tamponnages. Donc là, je vais faire mon abeille. Je vais tamponner mes fleurs là. Hop, je vais les détourer. Je vais les faire. Là, je vais mettre des fleurs. Si je fais ça, viens voir, ça donne. Ouais, je sais pas. Je sais rien. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais me mettre là. Toc, je vais mettre ça. Je vais mettre des fleurs. Toc. Là, la fleur comme ça. Là, l'autre côté. hop. Je suis à l'endroit parce que je suis capable. Parce que des fois, je tamponne à l'envers. Oui. Mais ça, de toute façon, vous avez compris, quoi. Hop.
Voilà, hein, juste comme ça, tout simple. Je fais rien de fou. Voilà, hein. Et alors, je vais mettre BIP, je le mettrai, c'est pareil, je vais le mettre sur un. Alors, déjà, ça. Là, je vais détourer juste deux petites abeilles. Voilà. Alors, je vais couper les pattes. Ouais, je vais faire ça, vous allez voir. Si, je vais faire ça. Je vais pas détourer les pattes. Vous savez, je vous ai montré déjà comment avec la planche à tamponner, comment récupérer pour avoir les moustaches, les effets de moustache et tout ça, les antennes sur un tamponnage. Là, je le détourne vraiment à ras, à ras, à ras. Parce que je pourrais laisser un petit bord, hein. Mais c'est pareil. Je prends que le corps, hein, je prends pas les détails. D'accord? Je prends pas les détails. J'essaie de faire vite, hein, pour que ce soit pas trop long de la vidéo, mais. Je prends que le corps et les ailes, d'accord? Voilà, je fais ça. J'ai fait ça, vous avez vu? Je vais supprimer les pattes et je vais supprimer toutes les antennes, tout. Si j'ai fait ça, je suis trop cruelle. Je vais en faire un deuxième pareil. Vous voyez, j'ai tout j'ai détouré vraiment que grossièrement. C'est volontaire. Je fais exprès. C'est pour remontrer à ceux qui n'avaient pas vu la vidéo pour faire des tamponnages comme ça en 3D. J'avais fait une vidéo, mais peut-être vous ne l'avez pas vue, hein. Parce que des fois, vous me posez des questions, des choses que j'ai déjà fait, vous voyez. Ou alors, vous me parlez de choses que. Vous me dites, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, mais je l'ai déjà fait, vous voyez. Mais c'est normal, c'est parce que ça fait extrêmement longtemps. Et puis il y a tellement de vidéos, j'ai pas de liste, machin. Bon, je sais, je l'ai déjà dit, hein, mais je suis pas très très bien organisée, je suis pas très très bien ordonnée parce que ben, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, donc je fais vraiment au plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite pour essayer de vous partager des choses, mais est-ce que c'est bien finalement? Je sais pas, vous voyez. Peut-être c'est mieux de faire une chose très très bien, et puis voilà quoi, c'est tout. Mais moi j'aime bien scraper, alors en général j'aime bien comme j'aime bien partager aussi, c'est pour ça. Alors donc, je fais ça, j'ai découpé que les corps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit feutre jaune là pour faire le corps, enfin juste, je vais coloriser juste le corps là. Enfin, hop, hop, je vais ressortir un petit peu le jaune là. J'aime bien moi. Mais ça, vous avez vu à l'arrache, hein? Je veux pas une grande colorisation pour faire un corps d'abeille. Vous avez compris quoi? Vous avez compris. Regardez, j'ai fait ça. Regardez, oh là là, c'est très joli, hein? Oh, vous avez vu tout de suite, c'est incroyable. On dirait un gros bourdon. Regardez, hop là, les deux là, c'est bon. Je suis très heureuse, hein? Vous voulez que je zoome un peu plus? Pour voir ce que je vais faire, tellement c'est magnifique, hein? C'est ça. Et donc là, regardez, je vais le mettre là, par exemple. Par exemple. Mais avant cela, je vais re-tamponner. Je prends mon abeille là. Vous voyez, je fais ça. Je reprends mon abeille. Et là, alors là, 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 attendez, je vais pas faire n'importe quoi. Non, je vais pas faire n'importe quoi. Non, non. Je prends mon tapis, un tapis de souris. Je pose mon machin là. Et là, je prends mon tampon. Et là, je dis, je veux mon abeille ici. Je vais la mettre là en fait. Je fais ce que je veux. Je la mets là. D'accord? Hein? Vous voyez, elle est là. Bon, elle est là, elle est là, elle est là, elle est heureuse. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est heureuse. Hein. Et alors, je fais celle-là, je vais faire l'autre pendant que j'y suis. Parce que je fais une série de deux. Donc, hop, hop. Donc, hop, là, je vais la mettre là. Voilà. Une à gauche, une à droite. Voilà. Donc, j'ai mon abeille. Là. Et j'ai ça. Je suis très heureuse. Qu'est-ce que je suis heureuse, hein, vous avez vu? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller cette bestiole sur le corps comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis, je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille.
Je vais le mettre en 3D même. D'accord. Parce que je peux le coller. Ou alors je vais le coller. Oh, je ne sais pas. Non, je vais peut-être le coller juste le corps. Non, je ne vais pas le mettre en 3D. Parce qu'en plus, comme je vais le mettre là-dedans. Non, je ne vais pas le mettre en 3D. Ça, mais je peux. Hein, je peux. Hein, on peut tout faire. De toute façon. On peut tout faire. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais vous pouvez tout, tout faire. Je mets de la colle donc sur mon truc que j'ai découpé sans les pattes. Sans les pattes, sans les pattes. Ah, là, 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 là. Ah, 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 sans les pattes. Et là, je pose donc mon truc là sur mon tamponnage en épousant le corps, bien sûr, et les ailes. On épouse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'un coup, tout apparaît. Les antennes, les papattes, etc., etc. Vous voyez? Si, c'est merveilleux. Et donc, je vais faire exactement la même chose sur celui-là. Vous voyez? Je fais ça. Hop. Et là, je fais exactement la même chose. Et ça, c'est une façon extrêmement géniale de faire des effets comme ça pour détourer. C'est plus facile. Et puis, vous voyez, il n'y a pas besoin de plaque de rien du tout. Hein, pas besoin de plaque de machin. Hein, vous faites ça, ça. Et puis après, vous avez tous les petits détails. Regardez, c'était tout mignon. Hein, voilà. Donc, on est très heureux. Et puis maintenant, je vais... c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer ou remontrer pour celles qui ne savaient pas. Ou qui n'ont jamais vu, ou qui ne connaissent pas, etc. Donc ça, c'est bien. Et puis maintenant, bah, je vais juste faire le BIP là, parce qu'il me faut ça. Hein. Parce que là, j'ai mis juste la petite fleur comme ça. Bon, ça suffit. Moi, ouais, ça suffit pour ce soir. Hein. Là, je vais mettre mon BIP. Et je vais le mettre, je ne sais pas si je le mets directement, ou qu'est-ce que vous en pensez? On peut tout faire. Je vais le mettre directement, ou je le mets sur un papier, ou... Non, je vais le mettre directement. Et hop, ouais, je le mets directement. BIP, je vais le mettre en travers là. Là, et là, je vais le mettre ici. Bon, c'est pas bien ce que je fais. Hein. Enfin, c'est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ça serait mieux si, si je m'étais appliqué bien plus que ça. Mais il est joli, hein. Si, vous dites c'est joli, hein, ça me fera plaisir. Voilà, c'était juste pour vous montrer 2-3 bricoles. Ça, ça, ça. Alors maintenant, la fleur, là, peut-être je vais là, je vais lui mettre un petit coup de couleur quand même. Ah, j'aime bien, moi, mettre un petit peu de couleur comme ça, pouf, pouf. Hein. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, hop, un petit cœur jaune, là. C'est à peine perceptible, hein, mais moi, je le sais. Et c'est ce qui compte, voyez. Donc là, comment il est ce vert, là? On ne sait rien. Attendez, on se calme. Ouais, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez. Une petite touche comme ça de vert. Tout de suite, c'est sympa. Voilà. J'adore. Moi, j'aime bien. Ça égaye un tout petit peu le... Hop. Comme ça. Je cherche pas à ce que ce soit parfait du tout, du tout, du tout. Hein. Ah, c'est parce que c'est pas tout à fait mon style, la perfection. Donc, mais chacun ses goûts, attention, c'est pas, hein, y a rien de, voilà. Hein. Et là, donc, je vais faire le tour, moi, avec, faites le tour, avec un petit, ah, alors, je vais faire, attendez, ça donnerait quoi, ça, là-dessus? Je regarde, hein. Ah, c'est pas, enfin, c'est, non, c'est pas ça. Et celui-là? Ouais, c'est léger, léger, léger. Non, bah, je vais faire en noir. Il n'y a rien de tel que le noir, moi, j'aime bien un noir, c'est noir. Alors là, je vais repasser le épi, là, parce que je l'ai un peu saccagé, hein. Pas grave, voilà, là. Voilà, et puis là, je vais faire des doodles. Mais des doodles d'abeilles, vous voyez. Moi aussi, on disait que c'était des doodles d'abeilles, hein. Hop. Hop là. Voilà, une fois. On va faire celui-là. Vous voyez, je suis très très concentrée. Hein. C'est ça.
Comme ça, hein. Hop là. Voilà. Oui, c'est très joli. Voilà, ça y est, c'est tout. Donc, deux petits ATC comme ça. Be happy. Hein. Tout simple, rien d'extraordinaire. Tout facile, facile. Enfin, voilà. Ouais, voilà. Ça, et donc, je mettrai ça comme ceci. Comme cela. Voilà. C'était tout mignon et tout le monde et la personne peut tout récupérer, tout récupérer, tout récupérer. C'est tout. Cette fois-ci, j'arrête. Hein. Ah si, j'arrête. Je vais aller prendre une douche, manger, boire un coup. Enfin bon, quoi. Vivre, quoi. Enfin, survivre hein, de ce temps-là. Hein, parce qu'il faut s'hydrater, il faut manger. Enfin, tout ça, quoi. Hein. Je fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve. Si on ne se retrouve pas demain, ça m'étonnerait, mais bon. Admettons, on ne se retrouve pas demain, on ne sait jamais. Hein. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera samedi. On se retrouvera. C'est ça, on se retrouvera. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer, ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, il ne prendra que mon âme, mais il n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Passez une bonne soirée. Je vous embrasse.